Bonjour, vous êtes perdu? Un peu. C'est ici qu'on pense? Tout à fait. Vous êtes nouvelle? Oui, c'est mon premier jour. Pourtant, j'ai l'impression de vous avoir déjà vue. Oui, je suis Yvonne, une amie de Marcel. On s'était croisés l'été dernier, avant votre balade à vélo. Ah oui, c'est juste. Comment va Marcel? Bien, bien. Eh bien, dites donc, il y a de plus en plus de femmes à la manufacture. Enfin, c'est pas moi qui vais me plaindre. En tout cas, bienvenue. Merci. On a dû vous remettre une clé pour la pointeuse. Il suffit de la mettre dans la serrure. Allez-y. Et hop, le ticket reste à l'intérieur. Et le patron peut vérifier votre heure d'arrivée. Il en est tout fier, le patron. Il paraît que c'est une des premières horloges pointeuses de France. Oui, j'avais jamais vu ça. Quel est votre poste dans l'administration? Je suis dactylo. Enfin, je commence ma formation sur vos machines à écrire aujourd'hui. Vous avez de la chance d'arriver maintenant qu'on est dans le nouveau bâtiment. Il y a 2 ans encore, on était au magasin et on était franchement à l'étroit. Qu'est-ce qu'on est bien dans ce nouveau bâtiment? Juste pour l'administration et là, pour le coup, on a de la place et de la lumière avec cette immense verrière. Les ouvriers des cycles et les hommes n'ont pas encore cette chance. Et vous, André, vous êtes dans quel service? Au service comptabilité, à l'étage supérieur. De là-haut, on peut vous voir. Le patron a décidé de mettre les services à l'étage avec vue sur les dactylos en bas. C'est pas rassurant, ça. Oh, allez, ne vous inquiétez pas. Je sais que c'est votre premier jour, vous allez vite apprendre. Pour la dactylo, on est très bien équipé avec nos machines typo. Vous savez que la manufacture participe au concours de dactylo chaque année? On a des champions ici. Bon, il y a plus de femmes qui y participent, mais quelques hommes aussi. Je suis sûr que vous gagnerez le prochain concours.